magnifique, ça. Ça sent les vacances, les gars. Et en France, il pleut pas. Oula, regarde devant. Ouais. Ouais. Ça, c'est le pont de Normandie, ça. Ouais, c'est le pont de Normandie. Mais il est super. Le pont de Normandie. Il y a 3,5 km du parking jusqu'au mont. Ça fait des lustres que j'ai plus foutu les pieds à la mer. La côte est vraiment sauvage ici en Bretagne, c'est vraiment pas mal. Ce qui est bien avec la Bretagne, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. Ici pour l'instant, il doit faire 21-22 degrés. Il y a une brise de mer, évidemment. C'est une température quasiment idéale, quoi. Petit tour sur les remparts de Saint-Malo qui sont kilométriques. Ici, ambiance des rues de Saint-Malo. And I want to hold you, oh baby, don't say don't. Magnifique église ici. On va aller voir l'église. Hein. Le centre historique de Saint-Malo. De remercier la Providence. D'être avec un vrai ami en face de lui. D'être avec un vrai ami en face de lui. De qui tu parles? De toi. Ah, de moi. Et de... C'est génial. Voilà. Dis, Stella Artois, dans un truc de Heineken 00%. Superbe. Gratis coffee, man, here.
Ici, on est à Dole, en Bretagne. Je rentre dans les catacombes du village, de la ville de Dole, Dole de Bretagne. Je ressors, je ne sais pas où. Ah, je ressors ici. J'espère. Nous allons visiter le château de Combourg, que je vais vous montrer de ce pas. On sort de la visite du château de Châteaubriant. C'était pas le luxe actuel, ça c'est clair. Enfin bon, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Le guide très bien, une heure de visite, super. Nous voici à Dinan. Ici, petit hôtel Best Western, en plein milieu de la Pinède. Ça, c'est la classe à la française, un cloître. Des gens, votre monde, température idéale. Franchement, juillet en Bretagne, quand il ne pleut pas, c'est vraiment top. Hein. Toute cette région de Bretagne, ce qui me frappe un peu, c'est l'aspect moyenâgeux en fait. Il y a des hommes de chevaliers partout. Pas au Moyen-Âge, c'est vraiment pas mal. Le style d'architecture à Dinan, en Bretagne en général. Ah, c'est mignon ces petites baigneuses. 1930. Ça, c'est original. Ce sont des ballons de rugby en forme de sac. Sac à main, sac de transport. Trousse de toilette de ballons de rugby. Rempli de boutiques d'artisanat. La ville où il fait bon vivre, Dinan. Les gens sont paisibles ici. Ce sont des touristes, des locaux. Les locaux, je veux dire, sont très gentils. Tout âge, hein. Les jeunes filles, les vieux, les gens sont très sympas. Allez, un dernier shoot de la tour de l'horloge de Dinan avant de se barrer à Dinar. Et ici, juste en face, la bonne vieille ville de Saint-Malo. On y était il y a 3 jours. Je ne comprends pas comment c'est possible d'habiter ici. Le courage de vivre dans des conditions pareilles, ces pauvres gens. Je les plains vraiment. Les pauvres.
Merci.